de Sainte Rolande sont honorés depuis des siècles, chaque lundi de Pentecôte. Je suis sûr et certain que tu vas le porter avec fierté, hein, que ce sera vraiment l'emblème. On marche derrière un drapeau, ça veut dire que c'est la joie, hein, et la paix est semée, l'amour, vous trouvez l'amitié, la fraternité. Je te le confie dans toute cette marche de Sainte Rolande. C'est la première procession de Sainte Rolande eut lieu en 1103. La légende de Sainte Rolande, qui est la fille du roi de Lombardie. Sainte Rolande meurt à Villers-Potrier, mais il faut savoir que la première église se trouve à Gerpine. Donc elle est inhumée à Gerpine, et que dès le départ de sa mort, un culte s'établit à partir de son tombeau. Fait 30 km. Ah, quand même. Voilà. Donc, on traverse une dizaine de villages. Le principe, grosso modo, c'est que chaque village de marcheurs, chaque marcheur, amène la chasse dans le village suivant. D'accord. Et puis, c'est un genre de relais, si vous voulez, entre villages. Rite des Gerpinois, c'est de la porter. OK. Ou de la frotter, de la toucher. Ça porte bonheur, pas frotter. OK. Il porte la chasse. Est-ce qu'il prie en même temps? S'il ne prie pas, en tout cas, il se recueille. Ils sont des centaines en costume napoléonien à marcher au rythme du fifre et du tambour. Pourquoi vous êtes là, vous? Parce qu'il faut quand même être un peu fou pour se lever à 2h du matin pour rejoindre une bande comme ça. Je ne sais pas trop. Non, mais c'est pour suivre le folklore. Les cantinières ravitaillent leurs soldats avec une eau de vie régionale. Ça, c'est la petite goutte? Oui, tout à fait. C'est quoi exactement? La pine au bois. La pine au bois. Fierté nationale désormais reconnue par l'UNESCO, a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.